France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. Alors, Vicage Dorasso, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Voilà, devant le micro, parfait. Vicage Dorasso, avant toute chose, juste pour refermer la parenthèse rapidement, je voulais simplement te dire merci en tant que supporter parisien que je suis, parce que tu m'as fait rêver, notamment le soir de la finale face à l'OM. C'était magique ton but. Parce que Paris est magique, non? Bah voilà, non, mais on est d'accord. T'es toujours supporter parisien, rassure-moi. Bah c'est ma ville, c'est le club. En même temps, il est candidat, je crois qu'il a pas trop le choix, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est vrai. Et puis, ça fait partie de la ville, voilà. Et toi, au moins, tu sais combien il y a de champions du monde au sein de l'équipe parisienne, contrairement à un autre candidat de Paris. Tu veux que je te dise combien il y en a? Toi, combien il y en a, dis-moi. Bah, moi, il y en a deux. En ce moment? Ouais. Il y a Kimpembe, il y a Mbappé. Il y a Draxler. Oui, côté français, je parle. Oui, non, bien sûr, t'as raison. Kimpembe et Mbappé. Ouais. Ouais. Il y en a qui ont bugué là-dessus. Alors, Vicage Dorasso, fini le foot. Hein, on a refermé la parenthèse, le foot en tant que carrière professionnelle. Et maintenant, place à la politique. Et pour commencer, j'ai envie de dire que c'est du lourd, hein, c'est Paris. Alors, dans une démarche un peu particulière, c'est vous êtes tête de liste d'abord dans le 18e, à Paris. Liste citoyenne qui a pour objectif de construire un binôme avec Daniel Simonet pour conduire la mairie de Paris. Hein. Vous êtes soutenu par la FI, c'est important de signaler. Pourquoi d'abord ce choix, Vicage Dorasso, de passer du foot à la politique, histoire qu'on comprenne un peu. J'ai vraiment pas l'impression de passer du foot à la politique. C'est un cheminement. Ouais. Et puis c'est vraiment récemment. Mon regard sur ce qui m'arrive autour de moi, notamment face aux discriminations, aux inégalités, mes révoltes, qui sont les mêmes que quand j'étais jeune, finalement. Mmh. Moi qui suis issu de l'immigration et qui viens des classes populaires, qui vient d'un HLM et qui a pu subir des discriminations et les voir, et qui, en grandissant, malgré son ascension sociale, continue à les voir. Et récemment, notamment vers les gamins, hein, c'est ce qui m'importe aussi, hein, on a sauvé un petit terrain de foot. Les gens, y a un terrain de foot qui arrivait à un endroit. Les gens voulaient le supprimer. Et puis ce petit terrain de foot, bizarrement, avait ramené une autre population, des classes populaires, des petits noirs, des petits rebeux. Et puis on voulait pas d'eux ici. On considérait qu'il y avait des sous-citoyens. Et ces gens-là considéraient qu'ils pouvaient privatiser l'espace public et aussi décider de qui allait l'utiliser. Et nous, on s'est révoltés. On a combattu. On a affronté les riverains et le maire, et on a gagné. Ils ont fait signer une pétition à 1000 personnes, nous on a fait signer une pétition à 11 000, et on a conservé le terrain pour les gamins, on était super contents. Et à partir de là, les gens autour de moi m'ont dit, Vicage, voilà, parce que tu es un footballeur, parce que tu es connu, tu as pu médiatiser, tu as pu porter le combat, tu as pu affronter les gens, mobiliser les gens, tu as pu entraîner aussi ces gamins qui avaient tenté de leur côté de lancer une pétition, qui n'avait pas été reprise, et ben, tu peux faire peut-être plus. C'est pour ça que je me lance pour gagner la mairie du 18e arrondissement notamment. Et cette âme politique qui est en toi aujourd'hui, Vicage Dorasso, elle était présente depuis tout jeune? Bon, on est déjà à gauche, très à gauche, des convictions très claires, avec des valeurs qui viennent de mes origines modestes. Et donc, c'est très important. J'ai jamais oublié d'où je viens. C'est important, je viens du système français, système social français très fort, je viens des aides sociales, moi, je viens des stades subventionnés, je viens de l'école publique, et aujourd'hui j'ai envie de renvoyer l'ascenseur, j'oublie pas d'où je viens, c'est important, je me bats contre la politique de Macron, je me bats contre sa réforme des retraites, contre toute la casse du service public, l'hôpital, l'éducation, ma sœur est enseignante, elle sait qu'avec cette réforme, elle va être encore plus précaire qu'aujourd'hui. Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est d'arriver évidemment à la mairie de Paris et de faire ce binôme avec Daniel Simonet. Comment ça, vraiment, dans la pratique, comment ça va se constituer? Ça sera pas un maire, ça sera un binôme. Oui, alors c'est possible. On peut à un moment donné switcher, changer. Et on passe devant le conseil. On demande à être validé. Le conseil de Paris valide ou pas. A priori, il validera, puisque si on est à la mairie, c'est qu'on a la majorité. Et donc c'est largement faisable. Alors un homme, une femme, ça c'est joli. L'idée de tout ça, cet appel qui est un appel municipaliste, communaliste, qui vient de la commune de Paris, c'est de prendre le pouvoir légalement et d'immédiatement le redonner aux citoyens via des assemblées. Nous n'exerçons pas le pouvoir finalement, c'est tout le monde qui exerce le pouvoir. C'est moi ce qui m'intéresse.
Alors, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle en tant que grand sportif que vous êtes. Si vous êtes élu, vous voulez faire annuler les Jeux Olympiques 2024. Oui. Expliquez-nous, comme un, comment dirais-je, comme un quelque chose qui m'échappe. C'est pas parce que, en fait, le sportif que je suis, oui. Là, ça rentre plus en compte. Maintenant, j'ai des. Qu'est-ce qui est gênant dans les Jeux Olympiques de Paris 2024? C'est pas la fête du sport, c'est la fête des multinationales, c'est la fête de la consommation, c'est la fête du tourisme, évidemment. Et puis, c'est pour vendre Paris à l'international, qu'il rayonne à l'international. Moi, ce que je voudrais, c'est que déjà, Paris rayonne pour les Parisiennes et les Parisiens. Mmh. Et puis, aussi, il y a une catastrophe écologique qui a démarré, qui est catastrophique, qui va se lier à une catastrophe sociale, évidemment, et que les JO 2024 vont accélérer. On va bétonner, on va construire, on va faire venir la publicité, on va faire venir des touristes. Et donc, moi, je suis contre ça. Donc, évidemment, je suis contre, mais comme... Mais dans la pratique, ça paraît quand même compliqué de faire annuler des Jeux Olympiques 2024. Il y a des contrats de signer, il y a des engagements maintenant au Mikaj Dorasso. Ça, c'est un truc qui ne rentre pas dans mes considérations. On ne peut pas changer les choses parce que c'est comme ça. Ça voudrait dire que je ne peux pas, moi non plus, m'engager en politique parce que c'est comme... Non, je crois qu'on peut changer les choses. D'ailleurs, je viens de gagner un petit terrain de foot pour les gamins, alors que c'était acté qu'ils allaient mettre des toboggans. Donc, ça veut dire qu'on peut changer les choses. Et puis, ça a été déjà fait. Il y a une volonté politique, on peut changer. Oui, c'est une question d'argent, là, j'imagine. Ouais. Mais il y a aussi l'histoire qui est avec nous, puisque ça a déjà été fait en 1972 à Denver. Ils reçoivent les JO en 70. En 72, ils font un référendum parce qu'ils n'en voulaient pas. Et puis donc, le référendum dit non aux JO à Denver et ils l'envoient ailleurs. Mmh. Alors, Mikaj Dorasso, vous êtes tête de liste dans le 18e. C'est une liste citoyenne. Hein. C'est Décidons Paris. C'est un mouvement, c'est ça? Décidons Paris, c'est un mouvement? C'est un appel, en fait, au départ. Un appel citoyen. Un appel citoyen qui est aujourd'hui soutenu par la France Insoumise, aussi par Rêve, le parti d'Émeric Caron, antispéciste. Ouais. Et puis PEPS, c'est pour une écologie populaire et sociale, qui sont des dissidents d'Europe Écologie Les Verts, qui pensent que l'écologie doit être plus radicale et évidemment sociale. On a une tête de liste dans le 14e qui s'appelle Samia Essemlali, qui est une Sea Shepherd, donc qui va sur les océans combattre les braconniers, ceux qui pillent les océans. Elle nous dit on n'a plus le temps. Aujourd'hui, la catastrophe est telle qu'il faut être radical, je ne sais pas trop comment on dit. Donc voilà, elle nous dit c'est pas des mesurettes aujourd'hui. Il n'y a plus de poissons dans les océans. Ça veut dire que s'il n'y a plus de poissons dans les océans, il n'y a plus d'oxygène. C'est le premier poumon de la planète. Et quand on voit Intermarché. Moi, Intermarché, par exemple, va s'installer en bas de chez moi. Ouais. Intermarché, c'est vroom les océans. On pille les fonds marins et on tue la biodiversité des océans. Mmh. Voilà ce qui nous attend. Mikaj Dorasso, vous regardez, je suis sûr, d'un œil attentif ce qui se passe dans cette campagne de Paris. Vous suivez un petit peu les sondages vous les suivez quand même un petit peu. Oui, on les a vus. Vous êtes crédité combien? 7%, je crois. 7%, on a progressé sans me citer. Oui, sans vous citer. Je ne suis pas cité, moi. Villeneuve, quasiment. Voilà, il est entre 7 et 10%. Voilà. Alors, aujourd'hui, si. Ça veut dire que le progrès est énorme. Hein, ouais. Parce qu'on passe de 5 à 7, ça veut dire beaucoup de choses, sans jamais me citer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de sondage qui dise Mikaj Dorasso, puisque moi, je pars de zéro. Mmh. J'estime que mes enfants, par exemple, vont voter pour moi. Oui. Donc, vous voyez, donc, sur les sondés. Combien de votes j'ai une fille, ma fille, elle aura 18 ans. Ont-ils le choix? Ce que je veux dire. Ouais. Ont-ils le choix, Mikaj Dorasso? Non, ouais. Vraiment, elle m'a dit, j'ai lu ton programme, il est formidable. Et ça concrétise ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Nous décidons pareil, nous sommes sur le terrain, moi dans le 18e, les autres dans d'autres arrondissements, et on voit bien que ça prend, parce que moi par exemple, et comme la plupart de nos candidats, nous sommes nouveaux en politique, nous n'avons jamais fait de la politique, nous ne sommes pas des professionnels qui faisons de la politique un métier pour avoir un salaire, pour servir les copains et les copains des copains. Et donc, ils ont envie de ça, les politiques, les habitantes aujourd'hui. Ils ont envie de renouveler, de sincérité, d'honnêteté. Et je pense qu'on représente ça. Et voilà, on est hyper motivés et ils nous encouragent beaucoup. Quelle est la candidate, parce qu'on parle de trio de tête, selon vous, Mikaj Dorasso, qui serait la plus dangereuse pour Paris, entre Agnès Buzyn, Rachida Dati et Anne Hidalgo? Aujourd'hui, pour moi, tout le monde est Macron compatible. Juste un exemple. Sauf Villani, quand même, vu qu'il est dissident. Non, il a pas rompu. Et puis Villani, c'est peut-être un des pires. Villani, il a quand même. Alors déjà, c'est pas un nouveau candidat, mais vous n'avez pas dit ça. Hein. Mais beaucoup le présentent comme un nouveau candidat parce qu'il a fait des mathématiques. Alors qu'en fait, il est déjà en exercice depuis un moment. Il a voté des lois contre lesquelles je me bats. La loi asile-immigration, la loi le CETA,
Donc c'est des lois de libre-échange avec le Canada, alors qu'on est en pleine crise écologique, et il se dit écologique. Lui, il encourage la déforestation de l'Amazonie. Il a signé, les émissions donc le fait de commercer en fait et de produire des bœufs très loin et de le faire venir ici, alors qu'on pourrait produire local et de recréer une économie vertueuse. Il a voté la loi pour baisser les APL. Il a pris la parole dernièrement en parlant du problème de l'école comme un problème d'immigration avec des enfants colorés et chamarrés. Donc il est pour la police municipale armée. Ça fait trop de choses pour moi pour me rapprocher de cet homme. Quelle sera votre première grande action si vous devenez maire du 18e arrondissement, Mikaj Dorasso? Alors je casse le contrat. La première grande action, je pense que c'est casser le contrat avec la Sogeres. La Sogeres, c'est une multinationale à qui le maire actuel, PS, a vendu les cantines, donc les repas de nos enfants à l'école. Ouais. On mange, donc nos enfants, mes enfants, puisque mes filles ont grandi là, mangent de l'industriel, sous vide, sans vitamines, les portions ne sont pas bonnes. Juste là, récemment, un vrai scandale avec la viande bio qui était allemande, la viande de bœuf qui était allemande et qui n'était pas bio alors qu'elle aurait dû être française en plus. Et lui vient de prolonger le contrat alors que les parents se mobilisent et veulent que leurs enfants mangent sainement, local et bio. Et lui, il a prolongé le contrat. Cantine bio pour vous, hein, cantine bio, bien entendu. Bio, local, et oui. Ma mère était cantinière, vous savez, donc je me souviens quand les portes battantes entre la cuisine et le réfectoire... bouger quand on savait qu'il se passait quelque chose là-bas, qu'il y avait vraiment des gens qui cuisinaient. Alors c'était pas forcément local, c'était pas forcément bio, c'était pas toujours super bon, mais au moins c'était là sur place, c'était vraiment la vie. En matière de logement, c'est un gros problème à Paris en général, et le 18e n'y échappe pas. Vicage Dorasso, quelles sont vos grandes actions, votre plan Marshall pour lutter contre ce fléau? Avec les classes moyennes qui quittent Paris. Et en fait, le problème de la gentrification, est-ce que ça fait partie de votre programme? Franchement, en fait C'est central. Il y a 110 000 personnes qui ont quitté sur les dernières années Paris parce que c'est trop cher, parce que le prix de l'immobilier est trop cher. Donc nous, on est pour déjà réquisitionner les logements vacants. Donc on les identifie, on les réquisitionne et on encadre les loyers à la baisse. Ouais. Aujourd'hui, c'est encadré, mais là, il faut faire baisser le prix des loyers. Il y a aussi une mesure, ça c'est la compétence de l'État, mais on peut entamer le bras de fer et on peut redemander faire cette pression. Compétence. On peut faire pression et redemander cette compétence. On peut, ça c'est une compétence de la mairie, on peut, c'est le permis de louer, forcer les bailleurs sociaux à louer des appartements dignes, pas insalubres. Parce que quand on fait le porte-à-porte, aujourd'hui, les gens nous disent regardez dans quoi on vit, regardez comme c'est sale, comme c'est mal, pas réparé, pas propre, et en plus c'est cher. Ouais. Alors, ça, c'est pas le propre des bailleurs sociaux. Il y a aussi des marchands de sommeil du privé. Bien sûr, évidemment, il y a tout un volet sur les marchands de sommeil. Il y a tout un volet sur la propreté aussi, évidemment, parce que ça, ce sont des délégations de services publics. On peut le refaire, nous, la mairie, et le faire bien, puisqu'évidemment, quand on donne au privé, a priori, la carte d'intérêt, c'est faire du profit et pas de rendre la ville propre. Décidons Paris, hein. C'est cette liste que vous conduisez en tête de liste dans le 18e, Mikaj Dorasso, ici présent sur France Pagrap 2. Il y a un autre sujet aussi qui intéresse visiblement, et d'après ce que l'on dise des sondages, les électeurs, c'est la sécurité. Et il y a quand même quelques problèmes dans le 18e. Il y a beaucoup de dealers, par exemple, dans certains quartiers du 18e, du crack. Comment vous allez justement lutter contre cette problématique qui, finalement, personne n'a réussi à résoudre ce problème depuis des années? On a fait que le déplacer, en fait. Voilà, donc il faut l'attaquer vraiment, mettre les moyens. Je veux dire, il y a eu 3 mandats pour la mairie actuelle. Donc 2 fois Anne Hidalgo, première adjointe à l'urbanisme, puis aujourd'hui maire et qui se représente. Elle n'a rien fait. Donc c'est mettre les moyens, voilà. Donc il y a les moyens humains, les moyens financiers. Je prends l'exemple de Chicago à chaque fois. La maire actuelle, qui est une femme noire, lesbienne, j'aime bien le souligner aussi, a fait baisser la criminalité, l'insécurité, sans jamais faire appel à la police. Juste en ciblant les problèmes. Et parfois, les problèmes sont d'ordre d'urbanisme, de santé. Ça peut être de l'ennui, ça peut être du chômage. Ça peut être plein de choses. Il faut les identifier et les attaquer avec les moyens. Et c'est largement faisable. Je ne vois pas pourquoi... ça marcherait ailleurs et pas dans le 18e. Il suffit vraiment d'y mettre le paquet. Moi, je crois beaucoup à l'entraide. Je crois beaucoup à refaire les choses ensemble, mettre des bancs publics, mettre des gardiens d'immeubles. Les gardiens d'immeubles, quand on fait le porte-à-porte, il nous dit il n'y a plus de gardiens d'immeubles. On ne connaît plus. On ne connaît plus nos voisins. L'autre fois, il y a une dame qui nous a dit mais moi, je suis là depuis 30 ans. Avant, je connaissais tout le monde. Je me sentais bien.
Aujourd'hui, on s'enferme chacun. C'est la société qu'on a créée qui est dangereuse. Rudy Gazi, ouais. Question à Vicage Dorasso. Ouais, donc première question par rapport à la pauvreté à Paris qui est un fléau grandissant. On le voit de plus en plus d'ailleurs. En plus, pour parler du 18e que je connais bien aussi, sur la ligne 12, à partir de Jules Geoffrin jusqu'à Porte de la Chapelle, beaucoup de sans-abri sur les quais, etc., qui font une mendicité des fois un peu agressive, parfois quand ils sont, pour certains, en manque de crack. Quelles sont tes mesures, enfin, ce que tu prévois en la matière? Et deuxième question, moi j'ai déjà réponse sur celle-ci, oui, parce que l'autre, elle est un peu plus politique. Ça va tout est politique, hein, j'estime que vraiment, on fait tout de la politique. La mairie de Paris, c'est 9 milliards de budget. Les Jeux Olympiques, c'est 25 millions à peu près, entre 20 et 25 millions. Juste la candidature, vous voyez ? Ça veut dire que l'argent, il y en a. Ça veut dire faire des choses, c'est possible. On peut faire des centres d'hébergement pour les SDF, les reloger dignement, pour qu'ils s'insèrent dans la société, qu'ils retrouvent du boulot, etc., qu'ils retrouvent confiance. Mais il faut l'attaquer frontalement. Je veux dire, quand je marche, je croise des gens dans la rue. C'est digne d'une ville qui a 9 milliards de budget ? Je ne pense pas. Donc c'est possible de le faire. C'est possible aussi de régler le problème du crack en faisant des centres d'hébergement, des centres d'accueil aussi, des salles de shoot, etc. La salle de shoot, toi, voilà. C'est une solution pour toi ? Bah, évidemment. Parce qu'apparemment, ça a aussi augmenté un peu la criminalité, les dealers qui zonent autour des salles de shoot. Bah, on a mélangé au même endroit, on a mis les migrants et les dealers de crack et les crackers au même endroit. Ce qui fait que des migrants qui n'étaient pas forcément toxicomanes le sont devenus de fait par la misère dans laquelle ils vivent. Et sinon, j'ai une autre question plus politique. Voilà, on a parlé des sondages tout à l'heure. Est-ce que tu penses que tu as des chances de gagner réellement Paris, sachant que c'est une ville effectivement qui est l'objet effectivement d'un combat plutôt entre En Marche, le PS et la droite, les Républicains. PS droite parce qu'En Marche est un peu en retrait. Oui, voilà, effectivement, c'est le cas de le dire, quoique on va voir ce qu'Agnès Buzyn est capable d'imprimer dans cette nouvelle campagne pour elle. Mais voilà, quelles sont tes chances à toi ? Est-ce que la Paris, ça se gagne pas au niveau des grands partis ? Tu vois ? Alors, je démarre pas un match de foot en me disant que je vais perdre, ça m'est jamais arrivé. Alors, enfin une comparaison avec le foot. Enfin. Ouais, je peux en faire plein. Hein. Je veux dire, par exemple, l'appel municipaliste. Moi, je suis un joueur de foot qui fait la passe à l'autre. On fait des passes, on joue ensemble. Et là, on fait un truc. C'est collectif. Voilà, moi j'imagine pas. Même Messi, hein, le meilleur joueur du monde, il a besoin de ses potes pour. J'aime bien que tu dises Messi meilleur joueur du monde. Tu portais aussi le numéro 10. Moi je préfère Maradona, mais parce qu'il a jamais oublié d'où il venait, lui. Donc il a toujours été proche du peuple. Par rapport à ce que tu disais, oui, évidemment, j'y vais pour gagner. Et gagner, je sais pas ce que ça sera. Ce sera de toute façon, ce qui va nous arriver est fabuleux. Et moi, ce qui va m'arriver est fabuleux, je pars de zéro. Après, je veux être maire du 18e. Vous allez être maire du 18e, ça vous l'avez déclaré, hein, déjà. Ouais, je veux être maire. Je veux défier les mathématiques. Ouais. Je veux défier aussi ces gros organismes politiques qui font de la politique politicienne. En fait, on va s'arranger entre nous, on va s'allier, on va faire des tac-tac-tac, et hop, on est maire sans conviction. Sans conviction, donc juste pas pour avoir des rapprochements ou de second tour éventuellement avec le PS dans le 18e. On est en train d'en discuter, ça va être sur la table. Évidemment, ça va se. Ah, quand même. Ouais, bien évidemment, ça va être un vrai sujet le soir du premier tour. On n'a pas pris de décision. Il y aura une décision collective et on va inciter tous les arrondissements à suivre les directives. La ligne directrice. Voilà. Bon. Mais parmi les gens qui vous suivent dans la liste citoyenne, PEPS, peut-être qu'il n'y a pas d'incontence avec le Parti Socialiste pour l'instant, 18e. Pour l'instant, vraiment, on estime que nous sommes de gauche, parce que nous ne sommes pas que des gens qui disons « nous sommes de gauche », on le fait. On s'intéresse aux classes populaires, vraiment. Parce que une autre référence au football, j'aime bien la citer, c'est Jean-Michel Aulas qui disait toujours avant les grands matchs, notamment, il disait « la force de la chaîne, c'est la force du maillon faible ». Si le maillon faible pète, la chaîne elle pète. Et ben, on en est à ce moment-là. Si on s'intéresse pas aux plus précaires, aux plus fragiles, et ben ça va péter. Céline Borier. Moi j'ai une question donc justement sur cet arrondissement populaire qui est le 18e, comme d'autres. On a vu une recrudescence des rixes entre jeunes dans Paris. On a encore eu malheureusement il y a quelques jours à Belleville la mort d'un jeune de 14 ans. Comment toi? Par rapport à cette jeunesse, comment tu comptes attaquer ce problème? Déjà, est-ce que ça fait partie aussi du programme? Très bonne question. Alors ça arrive trop souvent. Ça arrive pas si souvent que ça, mais quand ça arrive, c'est forcément très grave. Surtout l'été. Il faut. Moi, ma fille, qu'est-ce qu'elle veut? Elle aura 18 ans, elle va voter. Elle veut juste des endroits pour être peinard avec ses potes, quoi. Des endroits
libres d'accès, où ils vont être se sentir bien. Et il faut tout miser sur l'éducation, la culture, le sport. Il faut mettre des ouvrir les stades, ouvrir les gymnases, faire venir la culture, mélanger avec l'école, faire en sorte qu'ils se sentent bien et se sentent aimés et pas exclus. Quand on est un jeune de quartier aujourd'hui, j'étais à une conférence autrefois sur la discrimination. Les gamins, ils sortent de chez eux, ils ont peur de la police. Ils se sentent pas sereins dans l'espace public. Il faut rendre cet espace public serein pour les femmes aussi. Il y a un vrai problème pour les femmes, ouais, pour être tranquilles dans l'espace public. Et ça, c'est une volonté de nouveau. C'est comment réinventer l'espace public pour que ce soit. Oui, mais pour les RICS, concrètement pour les RICS, parce que ça, voilà, c'est un vrai sujet. Concrètement, c'est rouvrir des espaces de dialogue, des MJC, des espaces de rencontre, etc. Je viens de ça. Donc nous, c'est redonner tous les moyens aux associations. Parce que faut leur donner réellement les moyens de. Une police de proximité, par exemple. Moi, je suis contre la police municipale. J'y crois pas. C'est. Ouais. Alors, plutôt que de créer cette police municipale, prenons l'argent, faisons quelque chose avec. Non, c'est avec la police nationale qu'il faut faire. Mais déjà, il y a des commissariats qui ont été fermés. Ouais. Il faut former les policiers. Aujourd'hui, j'ai un ami qui s'est fait contrôler par la police. Il se promenait dans la rue. Mais pourquoi pas un contrôle ? Allez, mais pourquoi un contrôle dangereux, méchant, violent ? Moi, le premier rapport que j'ai eu à la police, c'est un contrôle de police. Quand on habite dans les beaux quartiers, la police, quand on la voit, on est tranquille, on est content. Nous, quand on la voit, on n'est pas serein. Moi, la police, elle doit me rassurer, elle doit pas m'inquiéter. Alors, ça passe très très vite, Vicage de Rasso, ça pourrait durer des heures, évidemment. Mais la dernière minute, c'est aux électeurs du 18e qu'elle s'adresse, et aussi à Paris, bien entendu, pour nous dire pourquoi, le 15 mars, il faut voter Vicage de Rasso dans le 18e, et voter aussi pour Paris et tous ses arrondissements, pour la liste Décidons Paris. C'est à vous de jouer, Vicage. Bah, parce que je suis Vicage de Rasso, je suis un ancien joueur de football qui a joué au Paris Saint-Germain, qui a gagné avec le Paris Saint-Germain, qui est issu de l'immigration et qui vient des classes populaires et qui pourtant, malgré son ascension sociale, se bat pour les discriminer, les inégalités. Et puis, voilà, moi je suis révolté par tout ce qui se passe devant moi. Les gens de ma liste sont révoltés aussi, et ensemble avec Décidons Paris, nous ce qu'on veut, c'est par exemple dans le 18e reconstruire les cantines dans les écoles, c'est offrir un parc au 18e arrondissement. Dans le 16, ils ont le Bois de Boulogne. Dans le 17e, ils ont le parc des Batignolles. Nous, on n'a rien du tout. J'étais dans le 5e récemment, je me suis baladé dans le Jardin des Plantes. Qu'est-ce que c'est agréable. Transport gratuit pour tout le monde. On a le droit de se promener. Et puis, plein de bancs publics, plein de fontaines, plein de petits lieux de sport pour qu'on puisse se retrouver et puis passer du bon Décidons temps ensemble. Décidons Paris. Merci, Vicage Jorasso. Juste pour finir, t'as un petit pronostic là pour le match retour ? Bah, franchement, ouais, si là, ils passent pas, là, ils déconnent. Hein. Bah, ils ont un but à marquer, ils n'ont pas été géniaux. Neymar sera en forme. Mais t'es d'accord avec la préparation du match ? Tu peux pas préserver Neymar pendant 4 matchs, comment il va arriver en forme ? C'est surtout la tactique, moi. Avoir fait toutes ces 4 mois-là avec 4 attaquants, et finalement de sortir et de changer de compétition. Ils vont le faire, Vicage, ils vont le faire. Ah bah cette fois, s'ils le font pas, c'est à vie qu'ils le feront pas. Par contre, s'ils passent, je suis sûr qu'ils peuvent la gagner. Ah oui, d'accord, retenez bien. Merci, Vicage de Rasso, d'être venu sur France Maghreb 2, ce fut un plaisir. Et bon courage et bonne chance pour cette première en politique. Peut-être à la mairie du 18e pour toi.